Hop, la miniature, elle est... Bah, disparue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette 13e vidéo du mois de mars, je vais vous parler d'une cité engloutie au fond des océans, l'Atlantide. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci d'avance et bon visionnage. L'histoire de l'Atlantide est un récit qui remonte à l'Antiquité et qui a su traverser les âges jusqu'à aujourd'hui. Cette légende est en partie due au philosophe grec Platon. Il mentionne l'Atlantide dans deux de ses ouvrages, le Timée et le Critias. Le philosophe parle d'une guerre entre deux cités fortes qui sont Atlantide et Athènes. Si on en croit les récits de Platon, l'Atlantide était une île située au-delà des colonnes d'Hercule. Si jamais vous vous demandez où c'est, ça correspond à peu près au détroit de Gibraltar aujourd'hui. La cité aurait été peuplée par une civilisation aisée et avancée technologiquement. Le tout gouverné par des descendants de Poséidon, le dieu de la mer et de Clito, une mortelle. La cité était construite en cercle autour du temple de Poséidon. D'énormes temples, bâtiments et statues ornées d'or étaient présents dans la ville. L'Atlantide correspond un peu à l'âge d'or grec, car les richesses étaient démesurées, les habitants ne manquaient de rien, tout en étant heureux et en paix en Atlantide. Du coup, plusieurs générations vont vivre dans cette cité prospère, jusqu'au jour où les habitants avaient besoin de plus. En effet, les rois anciennement issus de la lignée de Poséidon, à force de se reproduire avec des mortels, ils auraient tout simplement perdu le sang divin qui coulait en eux. L'orgueil humain de dominer devient alors plus important que de vivre en paix. Ils vont commencer à envahir ce qu'on connaît comme l'Europe et l'Asie aujourd'hui, et évidemment leurs actes ont provoqué la colère des dieux. Toujours selon le récit de Platon, les Atlantes vont être arrêtés par une armée athénienne, ainsi que les dieux qui veulent les punir pour leur arrogance et leur décadence morale. L'Atlantide aurait alors été engloutie par un cataclysme, un tremblement de terre et un tsunami. Et tout ça aurait fait disparaître la cité dans les profondeurs des océans en moins d'une journée. Et du coup la suite, on sait pas trop vu que les récits de Platon s'arrêtent là. C'est quand même dommage, on voulait tous la suite de l'histoire. Fin de la vidéo, ciao! Non! Heureusement, j'ai cherché au mieux pour vous donner la suite et les théories sur la localisation de la cité qui découle de ces récits. De nombreux chercheurs, explorateurs, savants et scientifiques se sont penchés sur la question. Ils ont considéré que les récits de Platon concernant l'Atlantide se rapportent à des faits réels, avec une déformation plus ou moins importante de la part du philosophe. L'emplacement de la cité grecque a été de nombreuses fois cherché, et il y a eu énormément de localisations potentielles, mais j'en ai retenu trois pour vous. La première, c'est au large de l'île de Chypre. En 2004, une équipe de chercheurs trouve à 1500 mètres de fond deux murs de 2 km de long. L'équipe décide donc de réunir les fonds nécessaires pour effectuer une fouille. Plus tard, en y retournant, ils vont en sortir une stèle orné d'inscriptions religieuses, mais aussi des objets de valeur, ce qui montre que la cité n'a jamais été pillée. Et tout de suite, les chercheurs vont se dire, c'est bon, c'est ici, et les murs qu'on avait vus sont les restes d'un temple. Mais la communauté scientifique n'a pas confirmé cette théorie. Aucun artefact humain n'a été découvert, les deux murs étaient d'origine naturelle et se sont formés au fond des océans. En plus de ça, les géologues ont révélé qu'à cet emplacement, il y avait un volcan sous-marin vieux de 100 000 ans. Aujourd'hui, cette expédition est toujours en pause par manque de moyens financiers. La deuxième théorie, c'est que l'Atlantide se situe dans la mer Noire. Ça, à l'époque où celle-ci n'était encore qu'un immense lac de douce et qu'elle avait une altitude inférieure à son niveau actuel. La Méditerranée se serait alors brusquement déversée dans la mer Noire, ce qui aurait donc détruit l'Atlantide avec la montée des eaux. Mais encore une fois, les scientifiques n'ont jamais pu prouver qu'il y avait eu ce brusque déversement de la mer Méditerranée. Du coup, ça nous emmène à la troisième théorie. Et d'ailleurs, si vous connaissez les théories, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Cette dernière théorie indique que l'Atlantide se trouverait au fond de l'océan Atlantique. Et pour appuyer cette théorie, je vous donne une découverte très récente. En 2018, des chercheurs affirment pouvoir situer les murs de la ville dans l'océan Atlantique. Les dimensions correspondent parfaitement aux descriptions données dans les récits de Platon. De plus, les murs seraient recouverts d'une patine, ce qui correspond à l'altération des bâtiments avec l'effet du temps, et des analyses laboratoires ont pu confirmer que les ruines qui ont été découvertes étaient très anciennes. Peut-être même plus anciennes que les Grecs, mais en tout cas, la technologie utilisée pour ces bâtiments était très avancée pour l'époque. Et encore une fois, rien ne prouve que c'était la fameuse cité pour autant. En tout cas, personnellement, je trouve que ça en fait la théorie la plus concluante des trois, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous l'aurez compris, toutes ces théories ont amené de nombreuses recherches et d'explorations sous-marine. Et si vous avez vu la vidéo des abysses que j'ai sortie il y a quelques temps, vous savez déjà que l'homme ne connaît que 5% des océans. Enfin bref, revenons à l'Atlantide, on va voir ce que la communauté scientifique pense de tout ça. La perception des scientifiques en ce qui concerne l'Atlantide varie énormément. La plupart d'entre eux considèrent la cité grecque déchue comme une légende ou un mythe plutôt qu'une histoire qui a vraiment eu lieu. Et comme vous avez pu le voir juste avant avec les théories, certains d'entre eux continuent d'explorer la possibilité que l'Atlantide ait bien existé un jour. Et du coup, la communauté scientifique donne plusieurs points de vue sur cette cité. Certains scientifiques voient cette histoire comme une allégorie ou un récit symbolique qui a été inventé par Platon pour explorer des concepts philosophiques ou politiques. Une sorte de dénonciation de l'être humain qui ne sait jamais se contenter de ce qu'il a. Même quand il a tout,
il en faut toujours plus. Pour de nombreux scientifiques, il y a aussi l'absence de preuves tangibles qui font pour eux de l'Atlantide une fiction. Aucun archéologue ou géologue n'a réussi à prouver l'existence réelle de l'Atlantide. D'autres scientifiques pensent que l'Atlantide a bel et bien existé, mais qu'avec le temps et la transmission orale, la réalité s'est déformée pour laisser place au mythe actuel. Pour finir, les scientifiques reconnaissent que ce mythe forme un engouement populaire, que ce soit pour eux ou le reste de la population. C'est un sujet qui fascine beaucoup de monde et qui est rempli de mystères. Bon, il reste évidemment bien cartésien, en rappelant de ne pas prendre le mythe à la lettre, tant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques derrière tout ça. Et vous, est-ce que vous pensez que cette cité a vraiment existé? Vous me le dites en commentaire, encore une fois. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se revoit dans 2 jours pour la 14e vidéo découverte du mois de mars. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao !